is no ordinary world. Somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. Le silence est le plus grand. Je sais que le temps manque, mais il me faut des réponses. J'imagine que tu as beaucoup de questions. Que dois-je... Là. Je dois pas... Oui. Vite. Cet artefact nous aidera à céder le temps. Tu es presque aussi entêté que son ancien détenteur. Combien d'artefacts avez-vous ? Ah, bon travail. Tu as eu des difficultés à te procurer l'artefact ? Son propriétaire m'a posé beaucoup de questions. Tu aurais dû m'accompagner. Regardez ce que les humains ont réalisé par eux-mêmes. La démocratie et la diplomatie. Un patrimoine de culture et d'art. Nous pourrions en bénéficier si vous acceptiez de les traiter en égaux. Dans votre quête éperdue de l'immortalité, vous avez ignoré l'évidence. Vous exécutez d'innombrables simulations afin de découvrir celles où rien ne change. Mais enfin... Le changement viendra, et ne se limitera pas à la prétendue fin du monde que vous craignez.
Vous vous présentez en sauveur, mais dites-moi, une telle apocalypse se serait-elle profilée si vous n'aviez pas manipulé la trame de l'univers? Je prends le contrôle de vos retransmissions. Vous ne parlerez plus en notre nom à tous. Je suis autant Issou que vous, mais je ne prendrai plus part à cette exploitation. Ce qui était là avant, il nous parle et nous révèle des informations. Mais ces paroles de désapprobation sont troublantes. Les dieux se sont déjà disputés. Athéna et Poséidon se sont opposés pour Athènes. Je me demande si Aletheia a conquis le contrôle de ce lieu. Aventurière d'antan, j'ai créé cet enregistrement pour tenter de t'aider. S'il te trouble, pardonne-moi. Nous, les Issous, voyons l'hiver passé et à venir, et je sais que tu seras ici plus d'une fois. Les autres précurseurs ont placé d'innombrables obstacles sur ta route. Des artefacts, des créatures, sans même parler du projet Olympe. Leurs ingérences sont devenues incontrôlables. Je n'ai pas de réponse simple à t'apporter. Ton avenir dépend d'une multitude de choix que tu devras faire. Je regrette que tant de se soldent par des souffrances. Vos tragédies sont le seul véritable oracle. Mais garde courage. Tu es plus importante que tu m'imagines. Et moi, ta Pandore personnelle, je n'ai qu'une chose à t'offrir. L'espoir. Le désespoir n'est pas notre seul héritage. Comme moi, tu te rebelles contre ta destinée. Tu es plus qu'une mercenaire, tu es une héroïne intemporelle. Sois fidèle à ce que tu sais être vrai, et tu l'emporteras. Prends ta place dans l'histoire. Tout ce que ce monde compte de beau et de terrible est à ta portée. Prends-le. Ces paroles te sont destinées, mercenaire. Mes préparatifs portent leurs fruits. Le potentiel de ta lignée est attesté par les précurseurs eux-mêmes. Aletheia affirme qu'elle peut voir l'avenir, de nombreux avenirs. Sera-t-elle une authentique oracle? Érudit d'antan, tu as prolongé ta vie tant que tu l'as pu. Je te vois à l'écart du monde, à tenter de déchiffrer les paroles des autres précurseurs. Je t'en prie, écoute mon conseil. Tu analyses les équations de la réalité elle-même. Tu es allé plus loin que tout autre humain. C'est à la fois stupéfiant et terrible. Je constate sans peine que même ces bribes de compréhension cosmique t'ont bouleversé l'esprit. Je le regrette. Les précurseurs n'auraient jamais dû te laisser accéder à un savoir pour lequel tu n'étais pas prêt. Tu vis dans des ténèbres trompeuses. Comprends que cette obsession à propos du pouvoir, des lignées, n'est pas ton véritable héritage. Les précurseurs t'ont manipulé. Ils exploitent ton intelligence pour résoudre leurs propres problèmes. Tu vaux mieux que ça. Crée ton propre héritage. Laisse tes découvertes mathématiques jaillir de ton tombeau comme les rayons du soleil. Je t'en prie, Érudit, purge ton esprit et pense à ta propre situation. Tu as en ta possession un puissant artefact. Il a prolongé assez longtemps ton existence. Cela te sera difficile, mais il est temps de le transmettre. C'est au tour de quelqu'un d'autre d'équilibrer les équations. Non, non, mensonge. Ce n'est pas de l'obsession, mais de la recherche. La découverte des origines même du monde. C'est une opinion, Pythagore. Mais cette opinion s'appuie sur la raison, je veux bien l'admettre. Toi qui voyages parmi les temps, félicitations pour le chemin parcouru. Je suis heureuse que nous puissions partager ce message hors du temps, ce fragment de réalité. J'enregistre ceci rien que pour toi, et tant pis si ceux qui vivent dans le passé ne peuvent le comprendre. Nos réalités similaires se croiseront tôt ou tard. Mais peut-être crois-tu que tu es ici en cet instant à écouter cet enregistrement? N'est-ce pas une reconstitution de l'Animus? Cela ne fait-il pas partie d'une simulation plus vaste? Jusqu'où s'étendent les rides du bassin?
mutons de rebelle à rebelle. Les règles des précurseurs nous contraignent depuis trop longtemps. Il est temps d'ouvrir de nouvelles voies, d'autres possibilités. Ce n'est pas une ère de contrôle, mais de création. J'ai réuni des précurseurs qui partagent mes vues afin de forger un nouveau départ. Nous cesserons de nous ingérer et commencerons à permettre. De ton point de vue, les préparatifs réclameront un temps considérable. Mais quand nous serons prêts, tu pourras nous rejoindre. Après tout, il suffira d'appuyer sur un bouton et de lancer une autre simulation. C'est de la folie, de la fiction. Là où je pensais trouver de la sagesse, il n'y a que les divagations d'une folle. Calme-toi, Pythagore. Peut-être cette invention est-elle destinée à quelqu'un d'autre. Inutile de te mettre dans cet état pour quelques mots. Incroyable. Le savoir entreposé ici est écrasant. Il me faudra des années pour déchiffrer tout ça. Pour ce qui est de sceller l'Atlantide, tu as trouvé un moyen ? Oh, oui. Oui, je crois. Eh bien ? Quel est-il ? Le bâton. La clé, c'est le bâton. Très bien. Il est temps. Non. Pas encore. Écoute-toi ! Tu as perdu l'esprit. Accepte le fait que tous les savoirs ne doivent pas être connus. Le savoir, c'est le pouvoir. Le seul pouvoir digne d'être possédé. Mais à quel prix ? Je n'ai pas d'ordre ni de leçon à recevoir de toi. C'est toi qui voulais sceller cet endroit, et j'ai accepté de t'aider. C'était avant de savoir ce que nous allions apprendre sur la première civilisation. La création de l'humanité tout entière. Nous allons sceller cet endroit pour éviter que le culte ne s'en serve pour asservir l'humanité. C'est plus important que ta quête de savoir. Lorsque nous posséderons ce pouvoir, le culte ne sera plus qu'un insecte. On ne peut pas laisser cet endroit ouvert, c'est trop dangereux. Et tu le sais. Tu ne comprends pas. Ton orgueil coûtera cher à toute l'humanité. Ce n'est pas de l'orgueil. À quoi bon posséder ce savoir si tu condamnes les hommes ? C'est ce que tu voulais éviter à tout prix. Parfois, il vaut mieux tracer soi-même son chemin. Nous ne sommes pas prêts pour le pouvoir de ce lieu. Tu as raison. Je ne peux pas sauver l'humanité. Mais je peux la protéger d'elle-même. C'est ton fardeau, désormais. Le sort de l'humanité tout entière est maintenant suspendu à tes choix. J'ai bien compris. Cassandra, choisis sagement. L'Atlantide est trop dangereuse. Je dois la sceller. En ordre. Alors, Sésame, ouvre-toi. Quelle puissance! Les nœuds sont interconnectés d'une manière que je ne pouvais pas imaginer. C'est plus complexe que tous les temples Issou qu'on a découverts. Lisbonne,
L'Arctique. J'enregistre tout, Leila. Tu vas devenir une légende pour avoir découvert ça. Tu vois le bâton quelque part? Pas encore. Il reste des choses à explorer. Je vais le trouver. Le mécanisme devrait être ouvert. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Je vais consulter mes notes sur les Issous. Ah, je vois. Il manque un faisceau lumineux. Reste à arranger ça. Cette colonne peut bouger. Il semblerait que ces colonnes aient des miroirs. Et si tu manipules ces faisceaux lumineux, peut-être qu'ils éclaireront quelque chose d'important. Où est-ce qu'il est? Le vrai savoir consiste à savoir qu'on ne sait rien. C'est un bon ami qui m'a dit ça un jour. Impossible. Cassandra? Oui, on m'appelait la porteuse d'aigle. Mais Icaros est mort depuis longtemps. Je te cherchais. Mais c'est impossible. Tu... Ce n'était pas vraiment moi que tu cherchais, n'est-ce pas? Ça marche! L'artefact Issous, le bâton d'Hermès Trismégiste. Tu dois avoir beaucoup de questions, Leila. Tu connais mon nom? Peut-être que les dieux me l'ont dit. Peut-être ai-je eu une vision de l'avenir. Peut-être que l'appareil dans ton oreille fait du bruit. Désolée. Je suis venue ici dans un but précis, te trouver. Et achever ce que j'ai commencé il y a de nombreux siècles. J'ai ta lance. Tu veux que je te la rende? Oh... Non. Tu peux la garder. Elle est brisée. Mais... Tu t'en es servi. Elle était puissante. Je m'en suis servi pour triompher d'ennemis que même Hérodote n'aurait pas su décrire. Mais tout a une fin. Je la lui ai laissée quand son pouvoir a été épuisé. En souvenir de moi. J'ai tellement de choses à te dire. Ce bâton a une importance incroyable. Il t'a maintenu en vie, mais... comment? Demande à un élève d'Hippocrate. On raconte qu'il en a encore. Ce bâton a rempli son office. Mes amis et moi, on essaye d'éviter qu'il tombe dans les mains de l'Ordre des Templiers. Écoute-moi. L'Ordre, le chaos. Si l'un écrase l'autre, le monde meurt. J'ai essayé de mettre fin au chaos. Et ça n'a causé que la ruine.
J'ai servi l'ordre autrefois. Maintenant, je lutte pour le choix, la liberté, le chaos. Pythagore avait raison. Layla, tu es la clé de la prophétie. Tu vas rétablir l'équilibre. J'ai pris part à trop de guerres. J'ai vu bien trop de gens mourir. J'ai parcouru la Terre de bout en bout. Ceci t'appartient désormais. Promets-moi une chose. Tout ce que tu veux. Quand tu auras fini, détruis-le. Détruis-les tous. Il y a tant de portions de l'histoire que je n'ai pas vues. Je devrais retourner dans l'Animus et retourner voir Cassandra. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Tu nous connais. Nous ne sommes jamais loin. Ce bon Hérodote avait hâte de te voir. Je te l'ai dit, Barnabas. Terra abriterait un secret. Un secret dépassant l'entendement. Oui. Mais un monde perdu? Il est tout à fait possible que l'Atlantide existe. Je n'y crois pas un instant. Mais il insiste, le bougre. Hérodote a raison. L'Atlantide existe. Incroyable. C'est vrai. Je n'en reviens pas. Dis-moi tout, je t'écoute. Je te le dirai un jour. C'est assez compliqué. Ça prendra des heures. Tu ne dis pas ça à cause de moi. J'ai prouvé que j'avais de la cervelle. Je suis épuisé, Barnabas. Oublie-le. Tu me le diras quand tu seras prête. J'aurai besoin de tous les détails. Ce n'est rien. Mais vous ne devez parler de ceci à personne. Ça doit rester entre nous. Je te donne ma parole. Mais il faut que le monde le sache. C'est peut-être le plus étonnant récit de notre époque. Hérodote. Oh, d'accord. Alors, c'est réglé. Allons de l'avant. Comme toujours. Beaucoup, hein, fontaine de savoir. Parle pour toi. Moi, je cherche la vérité. Les dieux savent que bien des mythes ne sont que des fables. Nous les tenons des dieux eux-mêmes, qui sont notre source la plus fiable. Ah, qui sait, c'est possible. Et tu le sais, toi, la demi-déesse porteuse d'aigle. Peut-être qu'elle aussi est immortelle. Sûrement. En tout cas, je sais une chose. Je n'oublierai jamais cette Odyssée.